Salut les amis, ici DiabolicVA59, et bien ensemble aujourd'hui pour une petite vidéo, donc dans la catégorie des jeux vidéo oubliés. Un jeu qui est sorti sur PS3 qui s'appelle El Shaddai Ascension of the Metatron. Alors, c'est un jeu qui a été très très bien noté par certains magazines de jeux vidéo, de 9 sur 10. Avec le commentaire incomparable de Eurogamer.net, de 8 sur 10 par le magazine Age, de 8 sur 10 également avec visuellement stupéfiant de beauté par UK Official PlayStation Magazine. Donc vous voyez, au niveau de la notation, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas un jeu récent, je tiens à vous le dire. Let me tell you a tale. It took place 360,000, no, 14,000 years ago. Well, to me it seems like only yesterday. To you, could be tomorrow. It's the story of a man, known by 72 different names. What should I call him? When we first met, his name was Enoch. And even then, he wouldn't let anyone tell him what to do. Not even me. But he was a pretty good guy. Voilà, donc vous voyez, il est de 2011. Bon, il n'est pas très vieux, mais il n'est pas très jeune non plus. Surtout à la vitesse où les jeux sortent en ce moment. Alors, il n'a pas fait tellement parler de lui, sauf pour ceux qui l'ont acheté et qu'ils ont adoré, évidemment. Donc aujourd'hui, voilà, je me proposais de vous faire voir déjà la première heure de jeu. En ce qui concerne donc ce jeu, et pourquoi pas, parce qu'il n'est pas très long, je vais te voir un petit peu, je me suis renseigné, il faut compter une dizaine d'heures pour le finir. Donc je vais peut-être vous faire un petit gameplay dessus, enfin un petit let's play plutôt qu'un gameplay, ou un walkthrough. Donc voilà, comme ça on pourra regarder ça ensemble. Ah, deuxième vidéo. Alors. It was only when various shards of God's wisdom were stolen that Semyaza's betrayal was uncovered. But by then, he, together with the Grigori he led, had already fled. To bring order once more, the Council of Elders ruled humanity must be purified by a second great flood. But one man found favor in the Lord's eyes. And unto him an alternative was granted. For the Lord said, "Bring me the souls of the fallen angels, and I shall spare the world." Alors, clairement, découvrez donc une aventure qui combine avec perfection différents types de gameplay, exploration 3D, combat 3D, exploration 2D, combat 2D et même conduite. Laissez-vous enchanter par les décors sous forme d'œuvres d'art en perpétuel mouvement. Tenez-vous prêt pour un voyage audiovisuel dans l'esprit du réalisateur du jeu, Sawaki Takeyasu. Facile à prendre en main, long à maîtriser, engagez-vous dans les combats aux commandes simples et intuitives. Différents niveaux de difficulté permettent aux joueurs occasionnels comme aux vétérans de profiter de cette quête épique. Bon. Allez, on attaque. Voilà, donc comme je vous disais, voilà, je vais vous proposer déjà cette petite vidéo. Pour vous faire voir un peu quel style de jeu il s'agit. Alors, les anges abandonnèrent leur royaume céleste et tombèrent du paradis. Dieu confia à un homme la mission de les ramener. Ah.
pour l'accompagner, Dieu envoya Lucifer, ange, l'ange aux yeux rouges. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée ça. Là, d'un point de vue audio, déjà, c'est plutôt sympa. Bah, ça fait deux fois quand même. Ah, fabrication des données du jeu. Bon, j'avais pas dû cliquer. Ah, pas cliquer, mais appuyer. Alors, évidemment, je joue sur PS3. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, je joue sur PS3, à l'heure de la PS4, la PS4 Pro... la Xbox One, la Xbox Pro, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, les PC gamers. Oui, ben, il y a certains jeux comme ça où je préfère les jouer sur PS3, tout simplement. Alors, vous rassurez-vous, hein, j'ai PS1, PS2, PS3, PS4. Hein, donc, j'en ai même plusieurs de chaque type. Donc, voilà. Voilà, donc tout simplement, allez, commencez une nouvelle partie. Juste vérifier l'heure. Ok, c'est ça. On va le faire en facile pour les débutants vu qu'on n'a jamais joué. The armor okay? If not, I could. No problem. Everything's fine. One chance, you know. Alors, restauration. Si vous mourrez au combat, appuyez rapidement sur les touches de la manette. Ok. À chaque fois, c'est quoi cette affaire? It's time, Enoch. You ready to leave? I gotta say, I'm kind of looking forward to this trip. Say, you've not been down below for some time, have you? You're in for a surprise. Enoch, you sure that's enough armor? I'll take the best you have. Right. Time to go. Enoch. See those figures in the distance? Try and reach them. Tools and weapons humans use are all based on wisdom from heaven. Wisdom humans couldn't attain in 1,000 years. Anyway,
Try jumping to those figures. Alors, Dieu créa les fruits de la sagesse, ils peuvent être utiles aux hommes ou servir pour le mal. Tout dépend de la façon dont ils sont utilisés. Ne laisse personne en approcher lors du combat. Ok, can you take it from here? Alors, ok, bouger, attaquer, bloquer, sauter double saut. Enoch, humans have a unique gift, the power of choice. Free will, they can follow any path they desire. So choose your path carefully. The future of mankind depends on it. Not bad. If you're that good with your bare hands, let's see how you handle one of God's weapons. An arch. It's one of those little shards of wisdom the fallen angel stole. Now try it, Enoch. Donc c'est bien le didacticien. It was only when various shards of God's wisdom were stolen that Semyaza's betrayal was uncovered. But by then, he, together with the Grigori he led, had already fled. Bon, par contre, j'ai pas compris le petit, la petite vidéo là où on a commencé, où on s'est fait rétamer en deux coups là. En fait, je vois pas l'intérêt de... Nicely done, Enoch. Ah, the archangels are here. As Lucifer has shown. We, the archangels, shall guide you with our voices. Enoch, you must return the fallen angels to heaven. That is your mission. Don't worry. We'll be with you all the way. Méfiez-vous de Lucifer, moi je dirais. Careful now, we're crossing over. Once we breach the veil, we'll be on Earth. Bring back any memories, Enoch? Seven angels have fallen to Earth. Big mistake. We're going to tear out their souls and lock them in this prison for eternity. Alors, ces chaînes retirent les anges déçus dans leur prison. Jamais encore elles n'ont servi, alors serrez-les bien. Est-il possible de les laisser ouverts pour eux?
N'hésitez pas à les bousculer un peu. Est-il possible de les laisser ouvert pour... Pas mal, par contre, c'est génial le son. Alors, la caméra ne suit pas le personnage, enfin, ne se met pas dans son dos. Ça risque de poser un problème. Open all the prison cells. Semyaza, you know the boss. Used to be an elder on the council. Barakel, may this be the place he dies. Arrakiel, we can't let him live out his days on Earth. D'un point de vue graphique, par contre, c'est plutôt sympa. Pour l'instant, le jeu est sympa aussi. Don't let his idea of love fool you. Armoros. Good luck getting him to repent. Ezekiel. She talks of love, but doesn't know the meaning. C'est tout des noms quand même. Bon, le jeu est quand même très porté sur la religion. Pour faire mieux. Azazel, leader of the Grigori, and Semyaza's right-hand man. Watch out, Enoch! Looks like they found you. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses? Flamme du pouvoir augmente les capacités de l'attente des notes. Ok. Surtout fait pour le des Akisalo combat en temps réel, on va dire quoi. This is it. Your journey begins here.
voices be a light unto your path. Pas tombé. On va peut-être prendre celui du début alors, je pense, pour si ça a une utilité. Alors, bah, ce sera la... la façon de voir si on peut revenir en arrière ou pas. Bon alors on voit au niveau graphisme, en fait c'est, je pense c'est délibéré, c'est ce graphisme un peu dessin animé, au niveau fluidité par contre c'est joli, mais les décors par contre ils ont mis un grand soin au décor, aux effets de lumière, là c'est de toute beauté quoi, et la musique, j'ai peut-être en choqué certains, mais je pensais à faire une autre. Une musique très aérienne. Ah, c'est ça là, leur vision de la Terre. I sense the darkness. Purifier un ennemi, son ignominie s'accumule sur votre arme. Il est possible de vous en débarrasser en purifiant votre arme à son tour. Courage et Nox, si quelqu'un en est capable. C'est... D'accord. Je la purifie en fait. Hein. Bravo! Behold the power of purification. It cleanses all things vile. Purify the red light. Blue light is a sign of overflowing strength. Ok. Alors, lorsqu'une arme est équipée, déplacez-vous de la sorte à améliorer encore son efficacité. À main nue, tournez sur vous-même pour éviter les coups. Coups spéciaux, R1 paraît plus sauter. En gros, quand elle est rouge, faut la purifier. Elle court vite quand même. Les décors sont comment expliquer ça ? Envoûtants.
cette attaque fait plus de dégâts que vos autres coups, mais les là, on vous prie pour de meilleurs résultats. Ok. Pas de vie. Bah non. C'est vraiment un décor fantasmagorique, comme on pourrait dire. Ouais, c'est plutôt pas mal. La maniabilité est relativement bonne. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas stopper les enchaînements. Hey, what's the matter? You don't trust me? I guess. Well, I'd say so far so good. Uh-huh. You know I could never say no to you. After all, you are the Lord. Yeah. All right. Catch you later. Alors, si tu dois enregistrer ta proclamation, je suis à tes instructions, appelle-moi. Si tu me perçois un spot du paradis, je te dirai tout ça. Ok. Allez, on va en faire une. So, Enoch, you can see Lucifer. Remember to speak to Lucifer. He will record your progress and report to God. Pas évident là par contre. The sky you see is a veil. A false sky created by the fallen angels to hide from God's sight. It must be removed to free the people from their perverted evolution. Y'a pas à dire, j'adore la musique. Bon. Alors pareil comme le jeu, en fait l'histoire du jeu, soit l'histoire d'ange déchu. C'est pas tellement dans les sentiments, je suppose. Mais The path forks here. Be careful which way you choose, Enoch. Super. Il va revenir en arrière. Mais... Attends, je comprends pas trop. Ouais, j'ai fait un tour. Ouais,
What brings you? Ah, premier gros combat. So heaven is in an unforgiving mood. No matter. We are already in a better position than we ever were. Charming. He's either very confident or very stupid. Either way, we've got to bring him back, or things are going to get a lot wetter around here. C'est vraiment embêtant qu'on puisse pas voir par derrière. On peut pas tourner la caméra. La caméra elle est fixée. On va dire un endroit de l'écran. Ça c'est le plus gênant, je veux dire. Je suis pareil qu'à construire ces trucs là, et comme j'ai pas pris les tout premiers, bah voilà. Il faudra que je recommence sûrement. Alors, l'arcade ultime qui vous rend le plus mobile, vous permettant de rester longtemps en l'air. Utilisez dans les endroits où vous avez du mal à atterrir, en l'air, sauter. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? This item repairs your armor. Rétablis votre armure. Ok. I'm sure you'll find them quickly, Enoch. Recognize me, Enoch? I borrowed this body to deliver a message. We are at your side, always. There's just something. Something about you. I hope you find who you're looking for. No need to rush. There's plenty of time. In fact, all the time in the world. Look for the tower. The fallen angels must be there. Enoch, Azazel is after you. You must change your name. The tower is a lie. It does not exist. Enough. If I stay, it'll be the end of me. Fear not, Hadrianil. The
four great angels are with thee. I'll be getting married soon. Unlike you, I can't stay young forever. How is it you do not age? Alors comme ça, en fait, je sais pas si vous voyez, mais le petit Enoch en bas là, c'est moi qui m'amuse en même temps là. C'est plutôt pas mal ça. Eternal life is just a myth. Show ever the meaning of mortality. En même temps. Là. You have been granted the gift of immortality. Your quest will continue until you find the fallen ones. Huh? Me? I'm not going anywhere. Midrash, Raphael has a gift for you. These lakes appeared a century ago. Aha. Uh-huh. So this is where they fell. I bet they're still close by. I come from the tower. You don't know when to quit. So chose to ignore my warning. Plutôt sympa. Bon, alors, mes premières impressions pour l'instant, c'est que c'est plutôt pas mal. C'est un jeu qui est très pas commun. Bon, alors comment dire ça, c'est vrai que les effets visuels ça peut piquer les yeux. Après en fait il y a tellement de choses à regarder que c'est plutôt pas mal. C'est rare en fait. Ça me fait penser un peu à Journey pour ceux qui connaissent le jeu. Qui est sorti pareil sur PS3, il est ressorti. I warned you not to follow us. Ah, ouais, le black boss. Have it your own way. Oh, oh, oh. Je ne pouvais pas le battre. This is the last time you will see me. Do not make the wrong choice again. Oh, mon armure, elle en a pris un coup, hein. Je peux plus rien faire à part courir. He is a free man. He will give you information on conditions inside the tower. Note de Freeman, observation enregistrée. Ok. Alors, nomade éternel et immortel est un homme sage et prudent, un puissant guerrier. Pour ces raisons, il est haï et doit sans cesse changer de nom. Il pourra. Et un être le message divin qui aussi sera Istar.
me revient petit à petit. Great. This is not a job for bare hands. Liberate one of their arches. Alors, voler les armes de vos ennemis, purifier et utiliser l'air vocal pour le meilleur moment pour frapper un vocal ennemi lorsqu'il est inconscient. De toute façon, donc, voilà. Alors, je sais pas si vous me regardez en même temps pour, que vous me regardez en train de jouer, regardez quand même le ciel qui change de tous les angles de vue dès qu'on avance pour retourner, regardez, c'est flagrant, c'est merveilleux. On a vraiment l'impression que c'est vivant, quoi. En tout cas, l'effet visuel, on n'a pas menti sur les notes, il est vraiment d'une beauté incommensurable. Go ahead, Enoch. On voit pas les effets.
fait, on... si je peux faire un comparatif, on dirait ouais, qu'on est dans un lac, et que notre chemin est au milieu. Sur le côté, c'est des pistes, et du coup, voilà, ça fait un peu des ondulations. Envoûtante. C'est étonnant comme musique. C'est moins joli là déjà. Bon, bah écoutez, apparemment on a passé le premier monde. You found it at last, Enoch. It only took you 300 years. A lot faster than I thought. The Watchers are in that tower. You had trouble finding it because it's wrapped in a veil of distorted space. Enoch, the Watchers await you within. Seek them out and bind them. His efforts had been hindered by a shroud of distorted space that hid its location. On the other side of this dimensional rift lies the giant tower the fallen angels erected. Surrounded by a sprawling city. To think a tower of this magnitude could be hidden within that interdimensional portal. C'est pas vilain. Bon bah écoutez. Voilà, je me propose de m'arrêter là, du coup on aura fait le chapitre 1, on n'aura pas fait une heure, mais on aura fait à peu près le chapitre 1, donc, pas à peu près, on aura fait l'intégralité du chapitre 1 ensemble. Je sais pas combien il y a de chapitres exactement, alors voilà, en tout cas pour mon ressenti, je trouve que c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Alors bon, clairement il change avec tout ce qu'on a déjà vu auparavant. Voilà, c'est pas un jeu de sniper, c'est plutôt un jeu d'exploration, enfin même si c'est on peut pas tellement explorer quoi. Mais pour le coup c'est étonnant. D'un point de vue graphisme, le personnage me fait vraiment penser à le personnage de Journey, qui ne parle pas, qui ne bouge. Qui n'a pas de bras spécialement. Bon, là on n'est plus dans ce monde là, on est dans un monde où là effectivement on a une quête, alors très comment dire, très subtile, puisque c'est une quête donnée par Dieu, et notre compagnon, on va dire, de route, c'est Lucifer. C'est pas rien quoi. Là pour le coup il est pas encore déchu, il est encore au paradis puisqu'il nous aide, on doit aller chercher donc en gros les archanges qui ont été déchus pour les ramener, enfin les enchaîner au paradis, donc selon la volonté de Dieu. Donc vous voyez que c'est pas un jeu anodin, qui pourra peut-être choquer certaines personnes. Moi je le vois comme un jeu, hein, c'est pas autre chose, faut pas le voir comme autre chose, quoi, hein, c'est un jeu. Hein. Même s'il y a toutes les références, Enoch, qui lui, je ne pense pas fasse partie d'aucune Bible, je n'ai jamais entendu parler. Bon, par contre, Lucifer, bah effectivement, celui-là, qui est-ce qui ne connaît pas Lucifer? Azazel, alors Azazel, c'est un nom qui revient régulièrement dans des jeux, qui est un.
enfin, je vais pas dire un dieu, mais qui est quand même quelqu'un de relativement méchant. C'est un... Alors eux ils disent que c'est un ange déchu, et c'est peut-être vrai, hein, mais faut que je me renseigne, je suis pas tellement à fond pour connaître tout, mais c'est vrai que souvent on me dit quelque chose. Après Ézéchiel, effectivement, là par contre Ézéchiel, les versets d'Ézéchiel dans la Bible on les connaît bien. Donc là, bon là, Ézéchiel, c'est pareil, c'est un ange déchu, il faudrait vérifier ça, mais bon, c'est un nom qu'il connaît. Sarel, c'est pareil, c'est un nom qui me dit. Bon, l'ange Michael, évidemment, Uriel, Gabriel, Raphaël, tout le monde les connaît. Peut-être un peu moins Uriel, mais Michael, Raphaël et Gabriel, c'est vraiment les anges, les trois anges les plus connus. Bon, il y a Uriel, hein, qui est dans ce jeu. Voilà, là on peut entendre en même temps, quand on est à la pause, vous voyez le petit rayon là, de lumière qui se balade, qui est plutôt sympa pour la pause, qui est en gros une pause interactive. Le jeu par lui-même, la musique, elle est super, franchement. C'est pour le coup, j'adore ça. C'est transcendant, c'est pas mal. J'aurais pas mis d'autres musiques que ça. Non, franchement, pour le coup, c'est... C'est pas mal, voilà, ça va parfaitement bien avec le jeu. Je suis en train de regarder en même temps pour essayer de voir un petit peu si on a de la vie, mais en fait non, on n'a pas de vie. Dans le jeu, s'il n'y a pas de vie, en fait, c'est en gros, je pense que c'est quand on a perdu l'intégralité de l'armure. Donc en gros, il y a 5 éléments à l'armure. Et on en perd un à chaque fois, quoi. Donc on a l'armure complète, après où il manque juste au niveau du pectoral gauche. Après pectoral plus bras gauche. Pectoral bras gauche plus jambe droite. Ensuite quand il reste tout ce que je viens de vous dire, en restant juste ce qui cache légèrement la jambe gauche et puis le pectoral droit. Et à la fin plus d'armure. Voilà. Donc en gros je pense que c'est plus ça, quoi. Il n'y a pas de vie dans le jeu, c'est vraiment l'armure qui nous protège, et quand on n'a plus d'armure, bon bah voilà, on meurt, quoi. Un peu comme tout à l'heure dans le premier truc où on avait une armure basique, elle a éclaté en morceaux, puis voilà, du coup on a disparu. Donc on peut se restaurer, en fait. Ses yeux, alors voilà, en fait c'est quand on voit les yeux d'Enox se fermer, en fait avant que tout le disparaisse, il faut appuyer rapidement en fait sur n'importe quelle touche un certain nombre de fois en gros, quoi, pour le faire revenir, quoi. Donc on peut dire que c'est un jeu qui n'a pas besoin de vie, n'a pas besoin de continuer, puisqu'en gros je pense qu'on peut continuer en permanence. Le but ce sera sûrement de finir. Bah voilà, c'est un jeu qui n'a pas de difficulté propre, qui n'a pas de but propre à part tout le temps d'avancer, de battre les ennemis, quoi. Ils disent qu'il y a un peu d'exploration, mais pour l'instant j'en ai pas vu des masses. Après bon, il y a plein de choses à voir, je suis en train de regarder un petit peu en même temps, mais on va avoir une autre arme dans le jeu. Donc, parce que là on a l'arc, il y aura aussi le gal, en fait c'est une arme de distance, le gal, un peu genre un truc qui ouais, je sais pas, avec des trucs qui tournent autour de nous, ça a l'air d'être pas mal. Dans les attaques spéciales c'est pareil, pour l'arc en fait il y en a 6, pour le gal il y en a 4. Voilà, donc ça nous promet encore quelques bonnes petites parties. Et on a la dernière arme, on va dire, c'est Veil, en fait. Et en fait, c'est une arme de protection tout en étant une arme d'attaque. On dirait un gros bouclier, en fait. Et il y a 4 armes également. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu. C'est un jeu, je pense, qui va être fini relativement vite. Mais pour le coup, je trouve ça très joli. Alors, comme il n'y a pas de sang, je pourrais dire, et que voilà, les ennemis, ce ne sont pas spécialement des humains, parce que bon, même on verra après, là, on a pu voir un peu Azazel. Oh, c'est un genre de grosse bestiole. Je pense qu'il y a une tête, hein, en dessous du casque. Mais voilà, c'est pas tellement violent. L'ambiance complète du jeu, moi, je trouve. Alors, le jeu, il faut savoir qu'il est interdit au moins de 12 ans sur le PEGI. Donc c'est PEGI 12, moi je l'aurais mis plus bas. Après bon, il y a de la violence, parce qu'on doit
détruire, on peut pas dire tuer puisqu'il se volatilise et en gros dans le jeu il parle pas de tuer, il parle de purifier et d'enchaîner. On purifie l'âme, on purifie les esprits et après on va enchaîner les archanges. Donc il y a pas tellement, voilà, c'est pas violent à part les coups qui sont donnés quoi. Donc ouais, moi j'aurais plutôt mis un Peggy 6 ou 7 quoi, mais pas un 12 hein, c'est beaucoup un 12 quand même. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura fait découvrir donc le jeu El Shaddai Ascension of the Metatron. Et donc si cette vidéo vous a plu, qui va servir de base, je pense donc continuer les autres vidéos pour en faire donc tout un walkthrough, toute une petite série sur ma chaîne. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu, et puis si ça vous a incité, peut-être pourquoi pas à vous abonner pour regarder la fin de ce voyage, on va dire, de Enoch. Voilà. Bon, faut compter une dizaine d'heures à peu près. Donc je pense qu'en discutant en même temps, il faudra plutôt compter 12. Donc voilà, en gros, vous aurez 12 vidéos, quoi. Hormis celle-ci, puisque celle-ci, on n'a pas avancé beaucoup et on a parlé beaucoup. Enfin, j'ai parlé beaucoup pour le coup. Voilà, et bien écoutez, je vous attends à très vite, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, voir si ça vous plaît, même si ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci, hein, je prends toutes les critiques, mais si ça vous plaît pas, ou si vous trouvez qu'il y a quelque chose à redire sur cette vidéo, toutes les critiques constructives, je dis bien constructives, me sont très intéressantes. Donc après, me dire j'aime pas juste parce que j'aime pas le jeu, bon bah fatalement il y a des jeux qui font pas plaire à tout le monde, c'est normal, et heureusement d'ailleurs hein, qu'on n'est pas tous des moutons à acheter le même jeu, à jouer au même moment et avoir les mêmes émotions. Donc je peux concevoir tout à fait que des personnes n'aimeront pas ce jeu. Donc après, bon, il n'y a pas spécialement d'utilité de me le dire. Voilà, qu'on n'aime pas le jeu, ou alors en argumentant, en me disant bah oui parce que voilà, je trouve que là c'est pas beau, ou ça c'est pas bien, voilà. Voilà, moi perso, voilà, j'ai quand même pas mal de jeux, j'ai joué à pas mal de jeux, je joue depuis très 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 longtemps. Moi je trouve ça détend, voilà. C'est pas encore le même que Journey, mais, ou Flower, mais pour le coup, c'est sympa, voilà, c'est passé un petit moment, quoi. Voilà. Alors n'hésitez pas à lâcher vos coms et à donner vos commentaires. Allez, salut les amis, bye bye.